Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Donc déjà, première chose, si t'aimes la chaîne, si t'aimes les vidéos sur les voitures, sur la Tesla, sur les véhicules électriques, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Moi je fais ça, c'est bénévole, je sors plein de vidéos, je m'éclate et voilà. Donc ça c'est fait, pour l'introduction c'est fait. Merci d'ailleurs, on est plus de 7500 abonnés sur la chaîne, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup, merci 7500 fois, c'est top. N'oubliez pas, il y a un concours qui est toujours en cours pour gagner le Bridge Hub USB de chez Jeddah, donc regardez dans les dernières vidéos et vous allez trouver comment participer au concours. On continue donc aujourd'hui, on fait une vidéo complètement fofolle. J'ai effacé ma clé USB du mode que j'utilise pour le mode Sentinel, juste pour vous, spécialement pour vous. J'ai essayé de la partitionner, j'ai pas réussi, donc ce sera une autre vidéo, on verra si j'arrive à la partitionner un jour. Le petit bouton partitionner, il est grisé sur mon ordinateur quand je veux le faire, donc tant pis, gros échec. Si en commentaire tu sais comment partitionner une clé USB, que c'est facile, je t'en prie, vas-y, note-le en dessous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement supprimé le dossier Tesla Cam qui est présent sur la clé USB et j'ai mis de la musique, enfin ça y est, j'ai mis de la musique sur ma clé USB pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on veut écouter de la musique via une clé USB sur la voiture, sachant en plus que je sais pas si vous êtes dans le même cas que vous, mais moi la connectivité premium c'est terminé. Donc voilà, là je vous montre un peu sur mon ordinateur, c'est magnifique, vous avez vu ma photo de vacances, non c'est en fait un fond d'écran de base de l'ordi, ma petite clé USB qui est vide, tout simplement donc je suis allé glisser des chansons que j'ai téléchargées légalement, je tiens à le souligner, sur le internet, donc c'est une clé USB de 32 Go. Il y a plein de place, hein, beaucoup trop d'ailleurs, pour des chansons. J'ai téléchargé 4 chansons, donc j'ai téléchargé 2 chansons de Billie Eilish, que j'adore, et Madonna aussi. Voilà, on met ça donc sur la clé USB. Et pour compliquer, fortifier un peu le tout, voilà, j'ai fait 2 dossiers, donc des dossiers dans lesquels je vais aller glisser les chansons pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la voiture, si ça change quelque chose en fait au niveau de la voiture surtout. Donc voilà, j'organise un peu tout ça. J'imagine que vous avez tous des clés USB hyper bien rangées, des dossiers super bien rangés. D'ailleurs, vous avez vu pour l'occasion, moi sur le bureau de mon ordinateur, il n'y a plus rien. C'est incroyable, d'habitude j'ai plein de daubes dessus. J'avais fait le ménage exprès pour la vidéo. D'ailleurs, toi qui mets toujours des commentaires en disant qu'il y a de la poussière dans ma voiture, tu verras, je l'ai même nettoyé pour la grande occasion pour aujourd'hui. Donc c'est génial. Voilà, donc les 2 dossiers dans lesquels on retrouve les MP3. J'ai rien mis à la racine, il n'y a pas de MP3 à la racine. C'est direct les 2 dossiers avec les chansons. On va éjecter proprement la clé USB et là nous voilà, oh la belle voiture, donc gris foncé, hein. Je vous rappelle, la poignée pas très pratique. Oh, je l'ai aspirée. Attention, je vais peut-être même faire une pause. Enfin bon, bref, elle est toute propre, je suis hyper content. Oh, il y a du bazar. Le petit bridge USB de chez Jeddah, donc je vais mettre la clé USB, donc je me trompe comme d'habitude de sens, donc je m'énerve, oh là là, j'y arrive pas, c'est dur les clés USB. D'ailleurs, je voudrais peut-être utiliser les ports USB type C, comme ça je serai tranquille. Et là, on regarde et hop, on a à nouveau une nouvelle icône qui s'est affichée, vous voyez là, le USB. Donc quand il n'y a pas de clé USB avec de la musique, elle le sait, du coup elle ne met pas ça. Et quand il y en a une avec de la musique, elle est mignonne, elle la reconnaît. Donc là, vous voyez, on a un espèce de panneau de navigation sur la gauche avec marqué titre et dossier. Et donc, titre, là, j'ai toutes les chansons. Alors pourtant, elles sont dans des sous-dossiers, hein, dans ma clé USB. Donc là, c'est cool, elle me regroupe tout. Donc j'ai le nom du MP3 et puis la durée de la chanson. Et donc là, je m'amuse et tout, j'ai mis à fond, vous avez vu le volume. Alors je ne peux pas vous mettre le son, parce que si je vous mets le son, ça y est, YouTube, enfin bon, on va encore avoir des trucs de copyright et machin. Et j'ai envie que ma vidéo, elle soit diffusée. Et ensuite on a les dossiers, donc là les dossiers que j'avais fait donc avec les artistes et on retrouve les chansons dans chacun des 2 dossiers, donc ça c'est pas mal parce que du coup si vous avez 12 milliards de MP3 sur votre voiture, vous pouvez vous faire des dossiers enfants, maîtresse, tout ça, comme ça vous avez pile poil, ou alors j'ai pas le moral en allant travailler ce matin, comme ça avec que des chansons sur le thème de la dépression, du suicide, et puis voilà. Mais en tout cas moi j'ai fait 2 dossiers, juste j'ai mis les noms des auteurs, des chanteuses. Et voilà, en tout cas c'est assez pas mal foutu parce que finalement j'ai pas fait grand chose sur ma clé USB à part 2 petits dossiers. Et la navigation, je trouve que c'est pas mal fichu au niveau de l'écran, encore une fois. Même plus simple je trouve que Spotify où des fois c'est un peu compliqué. Là en plus j'aurais plus de problème de buffering, vous savez quand on a des... par exemple sur Spotify des fois la voiture elle perdait le réseau, donc du coup on avait des pauses qui se faisaient et tout. Et puis j'ai contrôlé, on peut tout contrôler encore une fois grâce à la molette là à l'écran que je vous montre. Donc en cliquant sur la molette
ça fait pause, en recliquant la lecture reprend, et puis on peut zapper d'une chanson à l'autre en allant à gauche à droite, et ou alors on peut aussi toujours monter baisser le son évidemment, en bougeant la partie centrale, là comme je vous montre, là je monte le son, voilà, là je baisse le son, enfin c'est super. Et donc on peut cliquer quoi, pour faire pause et pour faire play, ça marche. D'ailleurs je sais plus dans quel truc, je crois peut-être YouTube, quand on regarde YouTube sur la voiture on peut pas faire ça, donc je trouve ça dommage, enfin, bref. Voilà, donc je vous montre un peu aussi Madonna, ça marche aussi. Non, c'est bien foutu, c'était assez simple, il fallait juste effectivement, hein, ne faites pas la même bêtise que moi, j'ai fait une autre vidéo par le passé, où du coup, si vous laissez le dossier Tesla Cam sur la même clé USB où vous mettez vos chansons, ça marchera pas, ce sera vous pourrez pas regarder les MP3, et voilà, je vous montre, vous aurez plus l'icône Tesla Cam pour consulter les vidéos du mode Sentinel, etc. Donc là, soit vous prenez deux clés USB, ou alors vous partitionnez votre clé USB, et moi, comme je vous l'ai dit en intro, je n'ai pas réussi à partitionner ma clé USB. Donc, tant pis, ce sera... C'est faut se garder un petit axe de progression, ça fait toujours plaisir. Et là, je vous ai fait un petit cadeau bonus, voilà, je suis super content comme un gamin, dans mon coffre. Et je voulais vous montrer ça aussi parce que souvent on me demande, ah, regardez, j'ouvre mon coffre avec mon téléphone, ouais, c'est trop bien. Voilà, c'est cool, allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, là, 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 le pauvre gars avec son téléphone et tout, bref, voilà. Voilà, on s'est acheté une trottinette électrique. Du coup, c'est aussi pour vous montrer la taille du coffre parce que voilà, bon, je l'ai posé comme ça un peu en vrac. Elle est même pas collée au fond du coffre, en plus j'ai encore de la place. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu, le coffre est vraiment hyper spacieux. Bon, nous, ça va, en fait, on va utiliser ça parce qu'on va aller mettre la voiture en charge et on revient en trottinette électrique et comme ça, après, on va chercher en trottinette électrique. La voiture parce que il y a un chargeur gratuit pas loin de chez moi et effectivement c'est pas il est pas juste à côté de chez moi, faut quand même rouler un petit peu, donc d'où la trottinette électrique. Bon, à bientôt à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, t'oublie pas le pouce bleu si tu l'as pas mis parce que sinon je vais te trouver et puis je te tuerai. Voilà, salut, ciao.